Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, nous sommes le mardi 16 novembre 2021 et nous sommes à la 37e numéro de notre émission Enquête du mardi, qui est également en langue somali Enquête du vendredi. Comme vous avez pu remarquer, notre émission Enquête du mardi a eu une pause de près de 2 mois et nous allons essayer de vous donner l'explication pourquoi il y a eu cette pause. Comme nos équipes sont très limitées, La Voix de Djibouti était amenée à collaborer avec d'autres journaliste d'investigation dans le monde, et nous n'avons pas pu mener plusieurs enquêtes en même temps. Mais ce soir, nous allons vous dire que après cette enquête internationale, et que nous allons vous exposer ce soir la première partie, il y en aura plusieurs séances, en tout cas plusieurs émissions de cette enquête internationale que concerne Djibouti et que les Djiboutiens sont impliqués. Nous allons effectivement revenir sur nos enquêtes précédentes sur l'électricité, l'eau, l'assainissement, les secteurs de la santé, de l'éducation, les secteurs de transport, où nous étions en train de travailler aussi sur des enquêtes qui intéresse les publics djiboutiens. Mais comme je disais, nos ressources sont limitées au niveau des recherches d'investigation, et nous lançons ce soir un appel aux journalistes djiboutiens qui veulent travailler sur des enquêtes avec La Voix de Djibouti de rejoindre La Voix de Djibouti. Alors ce soir, nous allons effectivement vous parler de ce travail qui nous a occupé pendant près de 1 mois et demi, presque 2 mois. Il s'agit, comme vous avez pu entendre dans le monde, de l'affaire dite Bandora Bébers. Alors, de quoi il s'agit? Bandora Bébers est une affaire de fuite d'environ 12 millions de documents faisant état de fraude et d'évasion fiscale à très large échelle. Et la vérification et les synthèses qui ont été faites à l'automne 2021 par un travail d'investigation journalistique collaboratif fait par le Consortium international des journalistes d'investigation ICJ. Alors, c'est dans cette enquête que La Voix de Djibouti a été intégrée en tant que partenaire à ce consortium, vu qu'il y a des noms djiboutiens qui figurent. Si vous regardez un petit peu sur la page Wikipédia de Bandora Bébers, beaucoup de pays sont cités, des personnalités ont été
mis dans cette page Wikipédia, mais pas Djibouti. La question qu'on peut se poser est, est-ce que le Djiboutien ou Djibouti n'est pas concerné dans cette affaire? La réponse est non. Djibouti est concerné par cette affaire parce qu'il y a eu des fuites illicites des capitaux djiboutiens à l'extérieur du pays et que des Djiboutiens sont impliqués. Mais ce qui manquait jusqu'à présent et pourquoi Djibouti ne figurait pas sur ces pages, c'est que Djibouti, il n'y avait pas de journalistes d'investigation qui étaient associés. Aujourd'hui, c'est chose faite et la voix de Djibouti est intégrée à ces consortiums en tant que partenaire et elle va travailler et elle travaille actuellement sur cette enquête mondiale. Alors, cette enquête concerne plusieurs milliers de personnalités politiques dans le monde, des personnalités religieuses, des personnages bibliques et des monarques y sont identifiés, dont 300 responsables bibliques, 35 chefs d'État, dont certains populistes ayant juré de combattre la corruption, et 130 milliardaires directement mis en cause. L'ICJ, il s'agit de consortium, note que de nombreux acteurs puissants qui pourraient aider à mettre fin au système offshore en ont au contraire profité en cachant des actifs dans des sociétés secrètes et des fiducies alors que leurs gouvernements ne font pas grand-chose pour ralentir un flux mondial d'argent illicite qui enrichit les criminels et appauvrit les nations. Et justement, lorsqu'on parle d'appauvrissement des nations, quelle est la situation à Djibouti? Lors de notre enquête, nous sommes tombés sur un rapport rédigé par le Sénat français en 2013-2014 et dans les numéros et le numéro 87. Dans ce rapport fait au nom de la commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières et en conséquence fiscale et sur les équilibres économiques ainsi que sur l'efficacité des dispositifs législatifs, juridiques et administratifs destinés à les combattre. Ce rapport de 318 pages et voici ce que dit ce rapport sur l'Afrique en général et Djibouti en particulier. Dans son chapitre sur les fuites des capitaux illicites, il indique le cas édifiant de l'Afrique. Il marque un continent apparemment bénéficiaire d'entrée des capitaux. Il indique que ces données donnent une image faussée de la réalité de l'insertion de l'Afrique dans le système économique et financier mondial. La prise en compte des capitaux illicites, des flux des capitaux illicites change les tableaux. L'Afrique en ressort comme un pourvoyeur net des capitaux au bénéfice du reste du monde. Entre 1980 et 2009, c'est ainsi 1 400 milliards de dollars qui seraient sortis d'Afrique, soit 4 fois la dette extérieure actuelle, si le mot actuel veut dire dans les années 2013-2014 du continent. Et à cette période, les PIB équivalaient à 1 000
400 milliards de dollars. On peut se poser la question où en est actuellement la situation. Il indique également que les flux illicites des capitaux aboutissent à renverser l'image régionale offerte par les seules statistiques financières officielles. Les pays d'Afrique subsaharienne, en particulier les pays de l'Afrique de l'Ouest centrale, dits sont les plus impliqués dans ces sorties des capitaux et défendent largement les pays d'Afrique du Nord que les données officielles décrivent comme responsables de la quasi-totalité des transferts officiels nets des ressources. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte sont les plus touchés au niveau du quantité si on considère le flux en valeur nominale. Le rapport dit rapporter au PIB nationaux. Certains pays sont littéralement saignés par les flux illicites. Et ils prennent le cas de Djibouti qui arrive en tête des pays où des capitaux illicites sortent. Djibouti arrive en tête à hauteur de près de 35% de son PIB. C'était en 2013, la situation actuelle pourrait être au-delà de ces chiffres de 35% de son PIB. Et justement, le cas qu'on a étudié tombe cette année 2013. Alors, pour revenir dans notre enquête, des Bandara Bebers. Sachant que la situation des fuites illicites à Djibouti concerne de près de 35% en 2013, nous avons trouvé dans les documents que nous avons obtenus des créations des sociétés en 2013 par un homme politique djiboutien de premier plan à l'époque, car il était en 2013 porte-parole du gouvernement djiboutien. Il s'agit de Monsieur Abdi Hussein Ahmed Liban. La voix de Djibouti n'est pas là pour incriminé pour blesser des personnalités djiboutiennes. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays et l'intérêt des publics djiboutiens, la voix de Djibouti amènera des noms. Ces noms sont des djiboutiens qui ont des façons, nous on n'est pas là pour accuser, c'est à eux d'expliquer, nous leur donnons aussi le moyen de rectifier, le moyen de donner leur version, et c'est ce que nous avons fait dans notre enquête auprès de M. Abdi Hussein Ahmed, que nous avons retrouvé dans ces documents, et pourquoi nous avons commencé à lui dans notre enquête, car il s'agit, pour en tout cas ce qui concerne Bandara Bebers, l'homme politique djiboutien qui a créé une société offshore aux îles Vierges britanniques. Nous avons eu, et nous allons vous montrer dans nos enquêtes suivantes, qu'il y a d'autres fonctionnaires. Mais pour ce qui est des Bandara Bebers, pour l'instant, à l'état actuel de nos recherches, M. Abdi Hussein Ahmed, ancien ministre de Culture
de la communication, chargé des postes et des télécommunications, porte-parole du gouvernement entre mai 2011 et mars 2013. C'est justement en ce moment-là que M. Abdi Hussein Ahmed a créé en janvier 2013 la société qui a retenu notre attention, Izir Media Consulting Company Limited, qui est une société offshore basée dans les îles Vierges britanniques. L'objet social de l'entreprise est de posséder des biens immobiliers, de la propriété intellectuelle, des comptes bancaires et d'ouvrir des filiales selon les documents que nous avons récupérés dans les bases de cette enquête internationale. Comme vous avez pu remarquer, nous avons biblié cette enquête sur le journal La Voix de Djibouti. Nous avons également vu que le consortium a également publié une enquête beaucoup plus large, mais qui touche aussi une partie de Djibouti, où il a cité également le nom de la voix de Djibouti. Alors, pourquoi nous nous sommes intéressés en premier à ce monsieur? Ce monsieur était un fonctionnaire au moment de la création de cette entreprise. Ce qui veut dire, lorsqu'on a regardé les lois djiboutiennes, la constitution djiboutienne du 15 septembre 1992, révisée le 21 avril 2010, dispose en son article 43 les fonctions des présidents de la République et des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Ce qui inclut totalement à une vie parallèle de homme d'affaires. De même, la loi numéro 48 en 83, première, elle, du juin, du 26 juin 1983, portant sur le statut de fonctionnaire, dispose dans son article numéro 7, il est interdit à tout fonctionnaire en position d'activité d'exercer à titre professionnel une autre activité lucrative, quelle que soit sa nature. Les lois du pays, les lois à Djibouti, sont très claires en matière de double vie ou une vie parallèle entre une vie de fonctionnaire et une vie de homme d'affaires ou businessman. Or, dans les documents que nous avons trouvés, il est bien stipulé que M. Abdi Hussein Ahmed était un fonctionnaire et il s'est décrit lui-même dans ses documents qu'il est businessman ou homme d'affaires. Alors, notre question, c'est qui est M. Abdi Hussein Ahmed Liban? D'après notre enquête, Abdi Hussein Liban était un ancien professeur d'histoire géographie. Il est devenu chef d'établissement à Dikil, puis à Djibouti, en Bouli, plus exactement. Monsieur Abdi Hussein Ahmed a été nommé par un décret
sorti mars 2011 pour devenir ministre de la Culture, de la Télécommunication, chargé des postes et des télécommunications, porte-parole du gouvernement, poste qu'il a occupé 2 ans avant de devenir ministre du Travail jusqu'en 2016. Depuis, d'après notre enquête, il est devenu conseiller auprès du gouvernement. Alors notre question est, nul n'est-on censé d'ignorer la loi? Et à forte raison, si on est membre du gouvernement du pays, ce qui était le cas pour monsieur le ministre qui était en RC6, il ne pouvait pas ignorer cette disposition de loi. Donc, on peut considérer qu'il les a sciemment violées. La question est, nous avons fait notre part du travail, celle d'informer le public, mais également la justice djiboutienne et les responsables djiboutiens. C'est à eux de déclencher des enquêtes judiciaires pour montrer ce qui a été fait alors que ce monsieur était aux responsabilités. Il est aussi de la responsabilité si le gouvernement et la justice djiboutienne sont défaillants lorsqu'il s'agit de ces cas au public djiboutien de se constituer, que ce soit d'associations, des ONG, qui peuvent porter ces affaires devant la justice pour demander des explications et savoir pourquoi ce monsieur a violé les lois djiboutiennes, pourquoi ce monsieur a créé une société offshore et d'où vient justement l'argent qui a permis la création de cette société. De notre côté, nous avons essayé d'avoir la version de monsieur l'ancien ministre, monsieur Abdi Hussein Ahmed. Et nous allons partager une partie de ce qui a été de notre démarche auprès de monsieur Abdi Hussein Ahmed. Pour vous citer un peu les choses, nous avons essayé de rentrer en contact avec M. Abdi Hussein avant de publier notre papier déjà sur la voie de Djibouti et pour avoir sa version pour qu'on puisse l'intégrer dans le journal, mais également dans cette émission. Et la première tentative, lorsqu'on a essayé de contacter, une personne a décroché, qui nous a demandé qui on était. Nous avons expliqué qu'on était la voix de Djibouti. La personne nous a redemandé de qui on était. On a répondu qu'on était la voix de Djibouti. Et cette personne, même si on a entendu la voix d'un homme à côté, nous a dit que l'ancien ministre était en train de conduire et qu'il fallait rappeler. Ce que nous avons accepté et nous avons rappelé plusieurs fois et plusieurs tentatives dont nous allons vous montrer. Mais toutes ces tentatives n'ont pas abouti et personne n'a décroché depuis ses premiers contacts. Le consortium ICJ a également essayé de contacter M. Abdi Hussein Ahmed pour avoir sa version
ce qui n'a pas été également possible. Nous regrettons la voix de Djibouti que M. Abdi Hussein Ahmed n'a pas donné sa version pour qu'on puisse aujourd'hui exposer sur la place publique de quoi il en retourne de cette affaire. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour accuser, nous ne sommes pas des juges. Nous nous enquêtons sur des cas, sur des sociétés, et on espère, parce que lorsqu'il s'agit de l'intérêt du public djiboutien, les médias djiboutiens doivent amener l'information. Nous, notre rôle, c'est de vous informer. Vous, le public djiboutien, et les législateurs djiboutiens, c'est d'enquêter réellement de quoi il s'agit et d'enclencher des procédures judiciaires. Le public djiboutien, lui, il a un autre rôle qui est celui de faire la pression pour que ce genre d'affaires ou ce genre de processus de sortie, comme je disais tout à l'heure, Djibouti est saigné. On ne comprend pas pourquoi Djibouti, un pays où il y a 8, 7, 6% de croissance, les jeunes sont au chômage, l'économie du pays est totalement par terre, car il y a une fuite des flux financiers illicites à l'extérieur du pays. Et tant que les Djiboutiens accepteront cette situation, Djibouti sera saigné à blanc. Ce n'est pas nous qui disons, c'est dans un rapport du Sénat français. Ils ont placé Djibouti à la tête des pays où il y a le plus de sorties financières au monde. C'est comme si Djibouti investissait à l'extérieur, alors que les pays sont dans une situation financière exsangue. Nous laissons cette partie au public djiboutien de se mobiliser et de demander des comptes, car il s'agit des comptes qu'il faut demander. Mais nous, notre rôle est de remplir et de chercher l'information où elle se trouve et de faire des enquêtes comme nous venons de le faire sur l'affaire des Bandara Papers. Alors, voici l'échange que nous avons eu avec, en tout cas que nous avons essayé avec l'ancien ministre Abdi Hussein Ahmed. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Puis-je avoir M. Abdi Hussein Ahmed, Liban? Oui, c'est de la part de qui? De la part de la voix de Djibouti. Est-ce que je peux l'avoir? De la part de qui? La voix de Djibouti. La voix de Djibouti? Oui. S'il vous plaît, si vous pouvez rappeler une conduite.
Ok, très bien. Merci. Donc, voilà, nous avons contacté. Nous avons essayé depuis d'appeler et de rappeler. Nous n'avons pas obtenu de réponse depuis. Ces contacts n'ayant pas eu lieu comme nous aimerions avoir, nous sommes passés à la publication de l'article que nous regrettons effectivement que la version de M. Abdi Hussein Ahmed n'est pas intégrée. Mais la voie de Djibouti est toujours ouverte à la version et à la version de la personne qui est citée. Et nous allons effectivement biblier si M. Abdi Hussein veut donner un droit de réponse à cet article, mais également à notre émission. Nous sommes également prêts à l'accueillir sur le plateau de la Voix de Djibouti pour qu'il s'explique cette situation. Il y a les lois djiboutiennes, mais il y a aussi pourquoi créer des sociétés offshore, quel est l'intérêt. Si M. Abdi Hussein avait de l'argent, pourquoi il n'a pas créé des sociétés à Djibouti ou même dans le monde, mais pas dans le offshore? Qu'est-ce qui se cache? Nous avons également d'autres questions qui sont: est-ce que M. Abdi Hussein Ahmed est le seul propriétaire de cette société? Où est-ce qu'il y a d'autres associés? Et qui sont ces autres associés? Voilà les questions qu'on aimerait poser à M. Abdi Hussein Ahmed. Nous aimerions également savoir, comme je disais tout à l'heure, l'argent qui a permis la création, d'où venait cet argent, qui a permis la création de cette entreprise. Mais également, quelle est la valeur actuelle de cette entreprise? Voilà des questions qu'on aimerait poser à M. Abdi Hussein Ahmed Liban. Pour conclure notre émission de ce soir, nous allons effectivement enquêter aussi d'autres noms que nous avons déjà une des informations et que nous avons déjà des documents et que nous allons essayer aussi de rentrer en contact pour que ces personnes nous donnent leur version avant que on fasse nos émissions ou que on mette dans notre journal écrit. Il ne s'agit pas, en tout cas, il ne s'agit en aucun cas des accusations que nous proférons. Il s'agit tout simplement de savoir le pourquoi. Et dans un intérêt des publics djiboutiens, d'informer de quoi il s'agit et d'avoir aussi la réponse des personnes citées. Nous ne sommes pas des juges. Il revient aux juges, à la justice djiboutienne, aux organisations des droits de l'homme ou en tout cas des droits des citoyens de se constituer partie civile et de porter l'affaire devant leur juridiction djiboutienne ou internationale. Et de savoir pourquoi les pays Djibouti est saigné à plomb, comme dit ce rapport du Sénat français. Et ce qu'on constate dans le
affaires, que ce soit Panama Papers, Bahamas Links ou d'autres qui sont en cours. Comme je disais au début, la voix de Djibouti est désormais partie intégrante de ce consortium qui va travailler sur d'autres enquêtes aussi, et nous allons continuer, en même temps qu'on travaille avec les organismes internationaux, de travailler également à l'intérieur de Djibouti avec nos journalistes pour sortir également d'autres affaires qui ont d'intérêt public. Notre objectif, la voix de Djibouti, est toujours dans un intérêt public. Nous ne sommes pas des acteurs politiques lorsqu'il s'agit de la voix de Djibouti. Nous sommes un média et que les affaires concernent l'opposition ou le gouvernement, notre rôle est de mettre devant la place biblique, et que, si nous constat nous considérons qu'il y a un intérêt biblique. Nous attendons également chaque fois la version de des personnes qui sont citées, des personnes qui sont mentionnées dans les documents. Si ces personnes donnent leur version, ce sera avec un grand plaisir que nous allons intégrer dans nos publications et dans nos émissions. Voilà, notre émission ce soir se termine sur ce point, et nous invitons les publics djiboutiens d'avoir en tête ces chiffres de 35% du PIB du pays qui part à l'extérieur. 35%, c'était en 2013. Aujourd'hui, quel est le pourcentage? S'agit-il 35% ou 55%? Si 35% du PIB du pays partent à l'extérieur, comment voulez-vous qu'il y a des créations d'emplois à Djibouti, qu'il y a de l'activité à Djibouti et que le chômage diminue à Djibouti? Notre enquête aujourd'hui montre clairement qu'il y a eu violation de loi du pays. Et ces violations ne concernent pas que M. Abdi Hussein Ahmed. Ces violations concernent d'autres personnes qui sont peut-être pas citées dans Bandora Papers, qui sont peut-être même pas citées dans d'autres enquêtes. Mais il faut que chaque Djiboutien soit conscient qu'en soutenant, il y a certains, on est sûr qu'il y a certains qui vont nous dire aujourd'hui pourquoi lui et pas un autre. Pourquoi vous n'avez pas enquêté d'autres? Il y a d'autres beaucoup plus importants. Mais le fait de dire ça, c'est d'accepter qu'il y a des gens qui volent, qui violent les lois du pays et qui mettent les pays, en tout cas qui sènent les ressources financières du pays. Et cet argent que ces personnes sortent du pays, qu'ils mettent de l'extérieur, cet argent aurait pu servir à construire des hôpitaux, à construire des écoles. Aujourd'hui, des femmes meurent à Djibouti car il n'y a pas d'hôpitaux. Des enfants ne bénéficient pas d'éducation. Des enfants ne sont pas soignés. Les systèmes, nous allons revenir dans nos enquêtes, les systèmes de santé à Djibouti est défaillant. Et tout ça
des sommes faramineuses sont placées dans des offshores, dans des paradis fiscaux à l'extérieur du pays. Et des Djiboutiens vont sortir pour dire, vont nous dire, vont commenter et vont nous dire que pourquoi lui et pas un autre. Chaque fois qu'un Djiboutien qui sort de l'argent de façon illicite du pays doit être condamné par toute la communauté du pays. Il est très important pour les Djiboutiens qu'ils sortent de façon définitive les soutiens des escrocs pour des raisons familiales, ethniques, politiques ou autres. Chaque Djiboutien doit avoir cette conscience de dire, lorsqu'il y a de l'argent illicite qui sort du pays et qu'on appauvrit les pays, on met en danger des Djiboutiens, des gens pauvres, des gens qui n'ont pas demandé à être expoliés de cette manière. Il ne s'agit plus d'un cousin, il s'agit d'une affaire de nation. Et il est temps que chaque Djiboutien prenne cette conscience et qu'il ne se dise pas pourquoi on touche mon cousin, pourquoi on touche mes proches. Si votre cousin a commis des fraudes, vous devrez lui dire. Vous devrez avoir ce courage de dire non, c'est vous qui êtes en tort. C'est pas les gens qui dénoncent. Non, c'est vous qui avez commis ces actes qui a tort. En attendant que les Djiboutiens retrouvent cette conscience, la voix de Djibouti continue à servir les publics djiboutiens pour informer des cas comme les fuites des capitaux illicites ou dans d'autres enquêtes, les biens mal acquis que nous avions fait toutes, beaucoup d'émissions, mais que nous allons également continuer. Nous allons également nous intéresser sur d'autres enquêtes où il y a des détournements énormes où des publics djiboutiens ou des Djiboutiens sont mis en danger. Notre émission de ce soir se termine sur ces points et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre enquête. Merci et à la semaine prochaine.